Allons-y. Oui. On y va. C'est chassé. 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 Alors chassons. Ça me fait un peu de peine de tuer ce constat. Je sais que c'est un peu tard. Malheureusement, dans la nature, c'est tuer ou être tué. C'est comme ça. Non mais lui dis pas ça, ça va le traumatiser.
Hey, tu penses qu'Aranea est casée ? Aucune idée. Elle est entourée de mecs, alors va savoir. Pourquoi ? Elle te plaît ? Mais non, non, c'est juste pour savoir. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais. Un couteau de boucher. C'est pourquoi un concours culinaire? Je ne pense pas que ce soit son intention. C'est le moment. Brillant. Évidemment. Et ouais. Bon. Vous êtes tous prêts ? Ouais. On y va ? Y a pas grand chose à voir. Fais pas le difficile. Au moins, on peut acheter des armes. N'hésitez surtout pas à regarder. Allez, à bientôt. Merci à vous. Je suis sûr que le chasseur qui la portait serait content qu'on la retrouve. Alors, toujours en train de chasser des monstres ? Lee, t'es un chasseur, pas vrai ? Hein ? Je suis chasseur, moi aussi. Mais bon, je sais en reconnaître un, quand j'en vois un. J'ai un service à te demander entre confrères. Tu voudrais pas éliminer un démon pour moi ?
Mélusine, qui apparaît la nuit au lac Vesper. Mélusine ? D'après ceux qui lui ont échappé, c'est un démon qui prend la forme d'une femme envoûtante et qui charme les chasseurs pour les attaquer par surprise. On peut pas la laisser continuer comme ça. Ça t'embêterait de t'occuper de ce contrat ? Bah, si tu veux. On peut toujours essayer. Je te remercie. C'est gentil à toi. Une femme envoûtante, il a dit ? Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Si elle a réussi à charmer les mecs qui sont allés la chasser, c'est qu'elle doit... Oh ! Un spécimen en parfaite condition ? Bon, voyons voir ce que je vais pouvoir en tirer scientifiquement. Tiens, vous êtes venu me voir. Oh, de retour. Bien joué, les gars. Eh ben, vous avez fait vite. Bien joué, les gars. Alors, toujours la forme ? Bon, qu'est-ce que je vous sers ? Ok, je vous apporte ça. Oh, ça n'a pas l'air mauvais. Ça ne devrait pas être très dur à reproduire. Voici la liste des affreux. Allez, bon courage. Celui-là. Allez, bon courage. Oh, ça va chauffer. Allez, bon courage. Celui-là. Oh, ça va chauffer. Bon courage pour la mission.
Allons-y. On y va? Allez. On monte la tente. Je me sens sale et poisseux. C'est l'heure du bain. Encore Gentiana? Je comprends pas. Elle était pas là. Effectivement, pas ce jour-là. J'en suis sûr à 100%. Le mystère s'épaissit. Sympa. Il est trop mignon, non? L'illustration parfaite de l'amitié sur cette photo. Noct, dis-moi, ça te dirait d'aller pêcher demain? Pourquoi tu me demandes ça? Il paraît qu'il y a un poisson incroyable. C'est dans le lac Vesper, tout près d'ici. On le surnomme le seigneur du lac. Non, t'es sérieux? Tu crois qu'on peut le pêcher? Il est énorme. Et il faut croire que personne n'a jamais réussi à le remonter. Ce serait un bel exploit. Tu m'étonnes. Ce poisson, c'est une légende dans le coin. T'en dis quoi? Tu veux tenter ta chance? Bah évidemment. Et comment que je veux? Il faut au moins un prince pour attraper un seigneur, pas vrai? Bien dit. Je savais que tu mordrais à l'hameçon. Ouais. Alors, tu veux y aller quand? Tout de suite, là? Demain matin. À ce qu'on raconte, ce seigneur-là ne se montre qu'à l'aube. Oh non, à l'aube? Bon, bah, ça vaut peut-être le coup d'y aller quand même. Ok, alors à demain. Et oublie pas de te réveiller. Ça marche. Allez, en route pour le lac Vesper. Je vais t'ajouter à mon palmarès, mon cher seigneur du lac. Ça fait plaisir, t'es super enthousiaste pour une fois. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas résister aux gros poissons.
Oh. Je l'ai. Énorme. Petit dernier. Voilà.
Il est énorme, non? Regardez, ça c'est du poisson. Il va plus rester un poisson dans le coin à ce moment-là. Waouh! Bien joué, Nof. C'est un gros! La vache, ça arrête pas de mordre! Il va plus rester un poisson dans le coin à ce rythme-là. T'es un champion. C'est pas grave, allez. Tu me fais mal, là. Tu perds rien pour attendre, toi. Bien sûr.